Bien souvent, la vie change. Voici l'histoire étrange qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. Dans une haute plaine où chantent les mésanges à l'abri de la neige et du vent. Là vivait un agneau au pelage sans pareil, étincelant de propreté sous le chaud soleil. Il en était si fier, c'était une vraie merveille. Et il dansait la carmagnole. Il dansait pour ses voisins de la prairie. Et je crois qu'ils aimaient sa folle farandole, car à leur tour, ils dansaient aussi. Mais un jour... Antilope. Ce sage animal s'arrêta sur l'heure quand il vit notre ami l'agneau. Salut, pourquoi tu pleures? Avant, j'étais quelqu'un vêtu de laine légère. Je dansais au soleil, je faisais le fier. Mais on m'a embarqué et sans plus de manière, on m'a tendu et puis ramené nu comme un ver. Et comble d'infamie, je suis la risée de mes amis parce qu'ils trouvent que je suis ridicule, bizarre et rose. Rose? Rose? C'est merveilleux le rose. Pourquoi être rose te rend si morose? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vive le rose, le violet et le lilas, mon gars. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Chaque fois que t'es en bas, regarde autour de toi. Tu as quand même un corps, des jambes et quatre pieds. Vois les choses autrement et tout sera parfait. Maintenant, arrête de danser, il faut faire plus fort. T'envoler dans les airs, prendre ton essor. Lève donc la patte et hop, frappe le sol du talon. Voilà, tu sais enfin comment faire des bons, bons, bons et rebonds. Bondis encore et monte jusqu'au ciel. Essaye encore et bientôt tu verras à tire d'aile. Lève d'abord la patte et frappe du talon. Chaque année, vers le mois de mai, ils arrivaient, et puis ils l'embarquaient, ils le tondaient, et puis le ramenaient, nu comme un ver. Mais il avait enfin appris à s'y faire. Vive les bons, bons, bons et rebonds. Et dans ce monde de haut et de bas, heureusement que les lapins antilopes sont là.